What's up les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Keshox. Salut Keshox, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 ou 10 les amis, je sais pas exactement comment je vais séparer mes épisodes, mais je crois que c'est l'épisode numéro 10. Ouais, j'ai fait le 8. Oui, j'ai fait les deux derniers tout seul, donc on est au 10. Aujourd'hui les amis, pour le 10e épisode, on a décidé d'aménager des spawners qui vont nous être utiles pour l'épisode numéro 11 ou 12, Keshox. On se pense encore lequel, mais ça va être utile pour les autres épisodes un peu plus loin parce que on va se faire des niveaux, des P4 et tout, puis on va aller PVP, vous voyez, vous comprenez le style qu'on veut faire. Donc on a dit qu'on allait aménager deux spawners, donc on a déjà creusé tout ça, mais mon rec a pété. Attends, donc c'est un peu dommage, mon rec il a complètement planté, j'ai aucune idée pourquoi. Frappe, c'est vraiment de la grosse merde. So, si quelqu'un a des clés une clé action Merylis et tout, ben j'aimerais bien voir et tester ce truc. Donc quoi. Il y a trois spawners, on va essayer de relier celui-ci. Je sais pas, Keshox m'a dit que c'était peut-être pas possible. Mais viens voir, regarde. Et tu viens là. Et là, en fait, là, c'est plus ou moins où ils vont arriver les derniers. Ok. Du coup, tiens, regarde avec le bloc. Enfin, je vais déconnecter, tu vois, les trois spawners. Ils ont tous les trois des flammes. C'est-à-dire qu'ils sont actifs, enfin, en gros, ils vont tous les trois spawner en même temps sur ce bloc-là. Ça marche pas le bloc de redstone. Attends, faut que tu sautes et tu te poses. Comment t'as réussi? Non. Mais pourquoi faut que tu te découes en fait? Parce que sinon ça va prendre en contre ma position. J'arrive pas à le faire, attends 10 secondes, s'il te plaît. Ah voilà. Ok, en gros c'est quoi que je dois regarder? Tu vois les trois spawners? Ouais. Différents. Est-ce qu'ils ont des flammes? Ouais, le premier des flammes, le deuxième aussi et le troisième aussi, oui. Ouais bah voilà, ça, en gros ça veut dire que là où t'es, ils vont tous les trois spawner. Sérieux? En même temps, ouais. Ouais. Juste comme ça on peut le savoir. Ah ouais, c'est quand... Merde, c'est bah avec ce bug déjà. Bon, à travers les blocs et quand les trois ont des flammes, bah ça veut dire que... Spawner. Damn, et en plus il y a une crevasse pas trop loin. Ouais, je sais. Il y en a plein comme t'as pu voir. Il y a plein d'autres spawners. Ouais, j'ai vu. Bon, let's go. Bah quand on va creuser le troisième à skip, donc... Keshox dit qu'est-ce qu'il faut faire et puis on va le faire. Pas qu'on optimise les deux là. Ouais, on optimise celui-là puis on va faire l'autre en off. On donc. Va faire là, ça... ben, on va faire comme ça. Et là on va creuser un micro. Atomique. Qu'est-ce qu'il y a, Keshox? Je suis tombé en fait. Non, faut creuser juste un. Ok. T'as pas une pelle? Non. Tu veux tirer à chercher une au spawn à farm? Non, c'est bon. Et là, il va nous pas le voir. Ouais, on peut faire avec des panneaux, mais moi je préfère le faire avec des... Comment ça s'appelle? Bah, tu veux que je vais aller chercher du bois. Ouais, vas-y, ça fait. Et avec comment, des portions. Prends le bloc de récent derrière toi. Avec des portions, et en fait, c'est pour stopper le courant d'eau. Et laisser les araignées passer. Et ça marche aussi avec des panneaux. Ok. Good. On va prendre ça. J'en amène, t'inquiète. TPA Keshox, voilà. C'est qui a joined le channel? Tu te sens pas gêné? Ok, go. Donc, pour le reste de l'épisode, dans le fond, ça va être vraiment juste ça, les amis. Juste, on va juste essayer de... Moi, tu mets trois portions comme ça. Tiens, bah t'inquiète, je t'ai amené le bois, en fait. Moi, je te regarde faire. C'est le fils de pute. Je vais faire la source d'infini, ok? Ah ouais, voilà, on va faire ça ici les amis. On va mettre une source là, on va prendre une, deux, let's go. Et dans le fond l'eau je la mets ici. Ah ouais, faut que tu fasses une source infinie là-bas. Non mais une source infinie. T'inquiète, j'ai compris. Hein. Non, on va faire ça. Voilà ma poule. Et là je sais pas si je me trompe. Vous mettez des blocs en dessous sinon on peut pas poser les barrières. Voilà. Damn. Faut que tu fasses une source infinie là. Homer où ça? Là contre ce mur là. Ok. Comme ça attends, c'est bien. Oh t'es pas obligé hein. Tu peux directement la faire, ça va bloquer. Ah oui, attends, deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Recoupe les sources. Pourquoi? Je me suis fait là, ça va tomber. On descend celui-là de 1 en fait. Mais non, c'est bon non? Non parce que là ça va... Ah y'a 8 là? Bah ouais. Ah, y a pas 8. Non y'a pas 8 là. Ah zut. Bah limite reculer au pire ouais. C'est pas...
Bah ils sont déjà tous reculés, regarde. T'as reculé plus. Tu recules de... Attends, tu les recules. 1, 2... Ouais, faut que tu les mettes... Tu recules de 1. Ok, de 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. Et ouais, bah c'est plus simple, comme ça vous avez pas besoin de... On a pu faire la même chose, on a pu les reculer, mais... Bah quoi. Tiens, comme ça. Ouais. Je crois que c'est... Attends. Attends. Faut couper l'autre d'après, parce que je me suis trompé de 1, là. Il faut couper celle d'après. Non, 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 non. Ah, merde. Ouais, c'est bon, fais celle-là. On va faire comme ça, mais je pense que ça va être un trop petit, mais bon. Ouais, je vais en faire un, deux. Non, c'est parfait. Ok, go. Attends, on va juste couper... Non, 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 attends, coupe pas tout de suite, faut juste... Parce qu'en fait, y a des sources pleines dans le bloc que j'ai mis, là. Donc après, go, voilà. Super. Nickel. Et ici on coupe ça ici aussi. C'est quoi? Et non, là... Non, là c'est bon, il y a les barrières. Ok, good. Voilà. Un insta. Ok, super, désolé. J'ai coupé mon micro, j'ai éternué. Donc ça c'est bon, là t'as rebouché ça. Là j'arrive pas à remonter par exemple. Normal. C'est Minecraft. Super, donc ensuite ouais. On va optimiser celui c'est du bon, bas. Il faut aller en bas. Et là c'est tout con, on va les ramener vers là-bas. Attendez, comme ça. Comme ça. Comme ça. Nickel. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ah là, tu mets son dos sur le. Bah là, sur tout le mur. Puis un en plein milieu ici. Non, tu mets non, tu mets non. Ok, j'ai compris, je viens de comprendre. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que... Ça manque pas ici. Nickel. Et là, ici, on fait juste creuser, puis... Creuser. Allez, mais il faut creuser deux, c'est des araignées, non? Non, non, deux. Hein. Non, justement, les araignées, elles font un par un. Ok. Et... Ouais, non, creuser un. Un seul. Un seul? Putain, bon. Désolé, ouais. Mec. Ouais, comme ça là, et tu te mets en face du spawner, voilà, et là, par là, elles vont arriver. Et là, c'est que des chemins d'eau. Oh, non, tu t'es fait là, ouais. Et là, faut que tu mettes en face. Je vais chercher un seau d'eau. Ouais, prends-en au cas. Là, ça n'a pas besoin. Et là, comment les araignées vont tomber où, là? Elles vont tomber là, mais on va faire plus grand. Okay, on okay. Va limite on peut faire de deux au pire hein. Ouais, faire un trou de deux, c'est plus simple. Ouais, là t'as juste à casser ça là. Sauf que ça va pas être égal, mais ouais. Ouais, bon, jusque là au pire on fait trois, non? Comme s'il y a deux trois personnes qui pourront se mettre dedans. Non, parce que deux de toute façon tu vois on va les... Ok, bon, regarde ce qu'on va faire, c'est que... ouais, non, je suis à deux de merde. Ouais, attends, on va couper là. On va faire, c'est pour rééquilibrer. Là, on va faire la technique des portions. Là, faut casser le toit. Vas-y, jusque là. Non, pas là. Ouais. Non, pas celui-là. Ah, zut. Ok, comme ça, c'est bon. Voilà. Voilà, et là, quand tu casses, normalement. Donc là on va aller faire le troisième. Attends, mais les araignées on va les taper où? En bas là? Ah non, on va les... Tu vois, on va les taper plus loin, mais c'est juste que... En attendant, faut voir où est-ce qu'il arrive le troisième. Ok. Nickel. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais, c'est ce que je vais faire en fait. Comme ça. Comme ça, fait que les amis, je vous retrouve après pour le prochain. A tout de suite. Limite, donc... Dans le fond les gars là, qu'est-ce qu'on va faire? On va optimiser la cage. Donc qu'est-ce que tu voulais dire, Kishox? Bah ouais, bah en fait on l'avait fait dans le dernier épisode, mais enfin dans le dernier rec, mais on l'avait pas vu vu qu'il a crash. Ouais. Donc ouais. On va expliquer comment bien optimiser une cage à ce polar. Donc normalement c'est 4 sur 4, ouais, plus 4 2 de profondeur. Mais là on va faire 3. Ouais. Faut faire 3 pour descendre à la bonne hauteur, non? Ouais ouais. Enfin on va voir parce qu'après faut descendre avec les cours d'eau. Ouais. 1, 2, 3. Attention, on met des torches. 1, 2, 3, 4, je vais faire de ce côté-là.
Et en fait, si vous voulez, le courant d'eau, genre, si tu veux pour montrer, le courant d'eau qu'on a creusé tout à l'heure, il arrive sur ces deux blocs-là. Et c'est parfait dans l'alignement avec le troisième. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rêver les araignées pareil dans un courant d'eau et on va les amener au même endroit. Voilà, vous avez tout compris. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 à partir d'ici. C'est vraiment, mais vraiment dégueulasse de travailler dans un mineshaft, je vais pas vous le cacher là. T'as vu ça? C'est chiant. Après ça, dans la cage, on pense peut-être ajouter, comme je l'ai dit, moi, je vais peut-être acheter un spawner sur la boutique, peut-être un spawner, un pig zombie ou quelque chose qui se vend pour refaire de l'argent aussi assez facilement. Je crois qu'on peut vendre les fils, right? Je sais pas du tout. Je pense que ouais. Tu veux que j'aille voir? Je vais aller voir. Ouais, vas-y. De toute façon, on fait pas pour l'argent, on fait plutôt pour genre les... Pour les niveaux, pour les P4 et tout, ouais, donc voilà. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent, donc attendez, je vais juste regarder. Non, les fils... Non, les fils d'araignée, ça vende pas. On pourra faire un max de potions de poison. Ouais, c'est vrai. Peut-être pourquoi pas faire des PNJ, parce que les PNJ, elles rachètent le fil. Sérieux? Ouais, les PNJ rachètent. On essaiera de trouver un spawner à zombies. Et on fera une farm à PNJ. Ouais. Mais regarde, tu pourquoi ouais. 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 Mais pas ici parce que ouais, faudrait faire deux trucs différents. Parce qu'on l'a décoré, on fera un truc bien badass, tu vois, c'est genre des petites maisons comme un village sous terre. On fera, mec, ouais, justement, on fera la volte en plein milieu du village. Et le village, ben, on construira des maisons sous terre, on fera un gros trou et tout. En fait, ils ont acheté un nouveau bloc depuis la mage. Depuis d'aujourd'hui, je crois. Ouais. C'est le chroma. Ouais, mais aujourd'hui pour nous, mais pas pour quand vous voyez la vidéo, les amis. Ouais, pas quand vous voyez la vidéo. Et en gros, c'est un bloc qui explose par la TNT. Et il se craft avec 9 opsies. En gros, vous mettez 9 opsies dans une table de craft, ça vous fait un bloc de chroma. Donc on va sûrement farmer l'opsie pour se faire genre un vault, c'est comme un coffre secret. Enfin, c'est une banque, je crois qu'on dit en français un banque, genre c'est un genre de banque, dans le fond, un coffre sécurisé, personne ne pourra nous piller là-bas. Ouais, faut pas bloquer là, en fait. Ah, ok, désolé. Poser un plus d'eau. Ok. Fait qu'en gros, ouais, on fera peut-être ça. Ben, ça je pense que c'est ça qu'on va faire jusqu'à l'épisode 15, dans le fond. On va construire la vault, on va faire le village de PNJ, parce qu'on va construire des maisons et tout sous terre dans un gros carré. Donc, un peu comme j'avais fait à la Ponycube. Si on veut les... pardon, te couper, si on veut les reproduire. Faut passer par en haut, mais on va faire un ascenseur à... On va faire un ascenseur. Ah, j'ai fait ça sur... Bon, je vais pas dire le nom. Mais tu peux le dire, vas-y. Hunterfight, j'avais fait en gros une base, ma base était sous terre. Ouais. J'avais fait un ascenseur à haut qui faisait remonter les PNJ en haut. Ouais. Et si c'était bon, il montait en haut pour se reproduire. S'il était mauvais, il restait en bas, tu les tuais. Ouais, il restait en bas. Ouais, bon bah regarde, c'est quoi? On va faire la même chose, mais à l'inverse. Les PNJ qui sont bons, on va les faire descendre. Et les PNJ qui sont moins bons, on va les laisser en haut. Ouais, c'est ça pour les reproduire. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça pas ici, on va se trouver un autre endroit un peu plus loin parce que ici on est quand même proche du spawn. Donc, ouais. Ouais, ça va encore. On va dire l'écho, mais ça va. Ok. On ira, on fera ça au-dessus de notre base à nous. Tu sais, dans les montagnes. Ouais. Celle qu'on a en ce moment, en fond, le trou est déjà creusé et tout, on va juste l'agrandir et... Ouais, enfin bon, vous allez comprendre. Attends, on va commencer par ça, hein. On verra si jamais... On a besoin de le deuxième. Donc ouais, ça va être peut-être possiblement ça jusqu'au 15e épisode, non? Ouais, c'est ça. Possiblement, c'est ce qu'on va créer. On va travailler sur la vault, on va travailler sur le minage, on va vraiment... Nous, on va tout tourner aujourd'hui. Jusqu'à l'épisode peut-être 13 aujourd'hui parce que moi je devrais partir en vacances bientôt la semaine du 5 la semaine ouais le 5 à peu près ma mère tombe en vacances donc ouais ça devrait ouais vraiment bientôt les amis le 7 excusez le 7 je pars le 7 donc ouais on verra bien ce que je ferai. C'est chiant mec, c'est chiant. Ouais, c'est vraiment relou en mec. La toile d'araignée, le bois et les barrières et la cobble quoi. Casse ces deux barrières là s'il te plaît. Ouais c'est ça pour les gars. Il y en a deux autres là mec. Ouais. Nickel. Là, faut qu'on fasse un petit chemin. Merde. Ils sont casse-couilleux. Le chemin faut le faire par ici mec. Ouais, nous, on va le faire ici le chemin. Vu que nous, enfin la façon on optimise les araignées mais avec un torche, enfin un collecteur sur les spawners. Elles vont spawner même, enfin il y en a une seule qui va spawner avec des torches sur spawner, du coup vous mettez des torches sur les murs si vous voulez, enfin, si vous voulez être tranquille. Mec on va faire ça ici, regarde. Là, ici on va faire l'allée et puis là on va faire... Bah attends, j'allais dire on peut mettre les sources. Attends, en fait non on creuse pas là parce que bah, on faut mettre un toit quand même. On va avoir un toit. Et 1, 2, 3.
Je sais, mais je vais juste creuser pour qu'on puisse avoir le chemin, après on rebouche alors, fraqué. Faut la redescendre de 1, du coup. Je pense que je vais aller chercher une pelle à la base, mec, ça c'est chiant de gravir. Yep, je vais chercher une pelle. Donc j'espère que la série... Est-ce que t'as été voir le coffre au bout qu'il y avait... Il y avait un coffre au bout. Ouais, c'est totalement qui est posé pour stocker le... Non, mais un coffre dans un... Bah, c'est possiblement. Voir. On va revoir au pire. Par contre, mec, je crois, franchement, on n'a pas plus de chance qu'on avait plus de trucs. Ouais, les trois trucs reliés, mec. Oh là là. On a vraiment été très pile, très mec, chanceux. On est arrivé pile sur le truc. Viens voir. Attends, je vais aller voir, il y a un coffre ici. Il y a des graines de melon, je prends les graines de melon. En fait. Regarde, on va redescendre. Attends. T'es sûr? Ouais, viens voir. Ouais, ok. Et franchement, on est super bien tombé. Hein. Ok, let's go. Bah, comme après, ça, comme ouais. Ça. Malheureusement, enfin, je peux vous montrer quand il y a des cas, vraiment genre compliqués. Ouais, si jamais vous êtes sur le serveur, vous me demandez et vous montrez comment faire. Comme ça, je pense que... Attends, je pense que l'escalier, il faut qu'elle soit de 3. Comme ça, je suis pas sûr, mais pour que ça se rende jusque là... Attends, regarde juste. Faut juste que je mette de la cobble et j'arrive. Ouais, c'est comme ça, il faudra que ça soit. Là, j'arrive, attends. Pour que ça soit parfait, ça va être comme ça. Vous allez voir, regardez. Je crois que ça devrait être bon. Ouais, c'est ça, enfin, c'est pareil, mais... Non... On peut faire un de plus, avec un de plus, on descend un de plus ça, comme ça là on attends, descend un de plus. Attends, attends, je pense que je l'ai. Oui je l'ai. Ouais, oui, mec. Je l'ai, nickel. Voilà, okay, je ah non. Non, elle est, c'est une source infinie. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, elle est trop grosse, il faut faut couper. Alors, regarde, de toute façon, regarde, il faut qu'on va recouper les sources, enfin ouais. M'aider genre... Il faut qu'on descende dehors en fait, pour que ça spawn plus. Ouais. On a de la marge en fait. Ok, ok, ouais, je crois que ça va être bon de toute façon, les amis. Ah, là, tu cours dedans. Et là, faut la baisser dedans. Nickel. Fait que là, on mine ça. Puis, on va être bon, les amis, donc 3 trucs. Oh là 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 là, chanceux quand même qu'on est. On a trouvé le bon endroit parce que tu sais, on pourrait pas être à n'importe où dans la base ouais. Pour que ça spawn. On a trouvé le bon. En général, c'est genre. Un rayon bah, en bas, blocs. Quoi, ouais. Un rayon de 3 blocs. Je me rappelle sur ma. Sur un... Ouais, je sais plus sur quel serveur c'était. On avait 5 spawners. 5 spawners comme ça. Et en plus, on peut les mettre sur un bloc pour que ça spawn, pour qu'ils spawnent tous en même temps. Sur un bloc, ça spawnait, l'autre bloc, ça spawnait plus. Ouais, tu peux faire comme ça, ouais. Ouais, comme ouais ça. Mais regarde, faut que ça coupe vraiment rapidement ici. Pour pas que ça se rende ouais, jusqu'à là-bas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, mais c'est pas bon, ici. Enfin, ça dérange pas trop. Voilà. Ouais, c'est bon. Normalement, je pense ouais, que les escaliers sont corrects. Je suis pas sûr. Regarde ah, voir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Okay. C'est bon. C'est bon? Ah ouais, c'est bon, parfait. J'ai même envie de faire ça. Du coup, on va bloquer les murs. Ça dérange pas en soi. Genre. Ouais, ça c'est bon. Nickel, les gars, vous voyez. Là, ça sera parfaitement ici, comme là. Voilà. Exactement ce qu'il fallait, donc toutes les araignées vont descendre ici. Donc on va patcher le mur ici, on va essayer de faire un trou ici pour pas que les araignées... Faut avoir de la soucine sur les murs. Tu veux qu'on mette du verre pour voir les araignées tomber? Bah j'ai pas beaucoup de verre, mais si tu veux on peut essayer de... Attends, je pense ouais, qu'il y en a dans la base. Pour le moment on bouge et après... Ouais on... voilà, mais ouais, après je crois qu'on peut faire du verre, ouais. Pourquoi ouais, pas. Pour être joli. On peut le pimp, et on peut faire un épisode pimp après, y a pas de problème. Mais de toute façon, ouais, regarde, on a 64 verres, ouais, on peut faire fondre du sort et tout, ouais, on peut s'arranger. Tout est possible, les amis, comme je vous dis, on a une large marge encore de ce qu'on peut faire, donc, en espérant que ça vous fasse plaisir. Nickel. Ici, je vais reboucher. Voilà. Ça. Et il faut faire la salle. Ouais, t'inquiète, ouais, ben ça c'est pas si compliqué, faut juste voir aussi les points de spawn que ça fait spawner les 3 puis on est correct quoi. Nickel. Ouais, attends. Tiens. Ah, t'as une pelle. Ouais. Merde, on est où? Je crois que les deux blocs c'est bah, ici. Je suis perdu dans ma... Ah, non. Ouais, c'est bon. Ouais, ben bah, là c'est... Ouais, c'est bon. Ouais. C'est ici la salle, mec. Ouais, c'est là. Faut la faire en dessous. Ouais, mais du coup, on commence à enlever les tâches.
Ouais, on va enlever les torches directement. Bah, je m'occupe de ces deux-là et là... Ouais, je... T'inquiète, je m'occupe de celui-ci. Ah, on a pas... t'as... Passe-moi de ce dos. J'en ai pas, sans vide. Passe-moi un saut vide, même. Merde, attends, mec, t'as vu, c'est... Là, c'est ouvert. Ah ouais, attends. Tiens. T'as besoin d'un saut d'eau, tiens. Je l'ai lancé vite vite avant qu'il tombe. Oh, une caméra. Ouais. Ah ouais, mais c'est... Tu vas pas pour monter. Si si, à part que, à part si tu, elle te tape. Ok, là on va casser ça. C'est pour ça qu'elles sont pas trop casse-couilles. Des fois elles montent, elles sont vraiment chiantes, elles montent vraiment sur les murs. Là ça va, j'ai l'impression. Mais là à part, ouais, il te target en fait. Bah là elle te voit, elle te focus quoi. Et ouais, bah c'est, ouais, elles montent pas trop bien. Enfin... Cool, par rapport à d'autres serves. Ah, oh, ça va être casse-cou, j'ai l'impression. Ah bah... Ouais, j'ai l'impression que ça va niquer. Enfin, on verra bien quand ils seront plus aggro après moi, là. Voilà, comme ça. Et là, ici... What? Mais... C'est bon, je suis dans le trou des araignées, c'est bon de mon côté. Les araignées se rendent bien ici. Ouais, moi c'est bon. Non, ouais, il reste coincé. Oh, attends, je viens. TP-toi sur moi, tu verras au pire. Ouais, attends, je suis venu enlever les torches. Il y en a 2-3 qui passent, tu vois, mais il y en a qui... la plupart restent à accrocher. Bah t'inquiète, on ira l'enlever après, de toute façon, c'est pas très grave. Oh damn, faut trouver une solution pour ça, en fait, là. Ouais, je vois. À moins qu'on fasse le trou plus haut. Tu veux que je te TP? Ah, c'est bon, ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En fait, regarde, tu vois les araignées, elles restent coincées en haut là-bas, là. Tu vois les araignées au-dessus? Ah, ouais, tu... ça, ouais, faut juste rester. Ah, ça, ça va être chiant, ça, par contre. Je vais les voir déjà. Ah, ouais, parce qu'elle veut tout. Ah, ouais. Pour ça, il faudrait peut-être juste casser le mur ici en haut. What the fuck? What the fuck? Casse le mur un peu plus et on est bon. Comme c'est que là on peut pas le casser vu que sinon ça va pas venir. Si si. Ah si, j'ai mis, attends, ouais, non, j'ai mis, on va casser le mur complètement. Ouais, on va tout casser. On va tout casser. Tu peux shutdown ici, non? Non, tu vois, là on va creuser. Ah merde, mais du coup, elle redescend. On va perdre une hauteur, ouais, c'est pas grave. C'est pas pour ça. Fuck. Ah mais merde. Yeah. Bah attends, on va redescendre de 1. En du moins on voit que ça spawn de ouf, hein, quoi. Enfin, ouais, c'est sûr, ça spawn de ouf. Spawn trop même. Ah, ça, en fait. Je pense qu'on est bon comme ça. Ouais, mais regarde, non, faut qu'on limite. Regarde. Attends, comment je peux... Attends, on est bon qu'il choque comme ça là. Ah ouais, attends, bah ouais, on descend le spawner d'en haut là de 1, et on met des trucs et ça va être bon. Enfin, comme ça, c'est correct. Faut juste casser le bout de bois qu'il y a là et c'est bon, les araignées ils monteront pas, ils vont tomber direct dans le trou. Là, faut casser là du coup. Merde, oh là là. Tu vois, là, il reste plus coincé, les putains de fils de pute. Ok, c'est nickel. Bah, c'est juste les bouts de bois, il y avait juste... Ouais. Ouais, faut que j'en mette le barrière du coup, merde. Normalement, c'est bon, let's go. J'essaie juste de voir vite fait. C'est là, faut le casser. Attends, c'est quoi, je vais me casser là. Je dérange pas trop en soi. Tu vois là, ouais, c'est nickel. Elle reste plus coincée. Elle vient de monter sur le mur, mais elle tombe au bout d'un moment donc. Bande de pétasse. Ok, bah let's go, creuse ici, ouais. Ouais, on va pas trop creuser non plus. 2-3. Ouais, 3 ça suffit. Ah, même 2 ça suffit en vrai. Sauf que celle-là, elle s'active pas, ce spawner là, j'ai l'impression qu'il y en a aucune qui arrive. Ouais, y'a... Bah, on va faire le disbug, attends. Je suis en train de creuser le mur vite fait, là. Ouais, il s'active pas, celui-là, ici. Ah, merde, j'ai posé mes barrières. Ah, j'ai passé. Mec, je crois qu'il y a un taux de spawn, parce que... Ouais, ok, c'est bon, il spawn, maintenant. Mais il faut vraiment être proche de lui, mec. Oh là là, comme ça spawn de ouf. Ah, je me fais baiser, ta mort. Arrêtez de spawn, please. 10 secondes.
Faudra faire une AFK machine comme sur Darkon. T'as vu les AFK machines? Genre qui se promènent et tout. On fera une AFK machine qui se promène. Ah ouais, par contre, ça pour activer spawner. Ouais, si jamais on est dans un besoin ou quoi que ce soit, tu fais une machine qui nous promène de haut en bas dans l'ascenseur quoi. Ouais, c'est simple ça. Pour ça je te dis qu'on pourrait faire ça. Donc ouais les amis, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, ça nous ferait méga plaisir à moi et Keshox. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Keshox. Allez vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.